1 plus tangent 2a fois tangent 1, il faut démontrer que ça fait sécant 2a. Donc on va passer 1 plus sin 2a fois sur cos 2a fois sin a cos a égale, devrait être égal à l'identité. Donc on a 1 plus 2 sin a cos a sur cos carré a moins sin carré a. Le tout fois sin a sur cos a qui doit être égal à l'identité. Je vais tout remettre au même dénominateur. On aura cos a moins sin carré a plus 2 sin a cos a. Mais attention que le sin a, je multiplie avec celui-ci. Ça veut dire 2 sinus carré sinus carré a. Et alors, ce que je peux faire aussi, c'est simplifier ces deux-ci. Donc on aura sur cos carré a moins sin carré a qui doit être égal à l'identité. Attention que le cosinus A a disparu, parce que je l'ai simplifié. Le cosinus, il était simplifié. Donc, 2 sin carré moins sin carré, ça fait sin carré. Donc, on va voir. Cos carré A plus sin carré a sur cos carré a moins sinus carré a. Donc ce qui fait 1 sur cos carré a moins sin carré a, c'est-à-dire que c'est 1 sur cos 2a. Et ça, c'est sécant 2a. Et bien donc, 1 plus tangente 2a fois tangente a est égal à sécant 2a. Alors que pour avoir la coséquente 2a, je fais la cotangente 2a plus la tangente a. Et là, j'ai la coséquente 2a. Je vous remercie.